Salut les amis, bon bah j'espère que vous allez bien. Hein. Bon bah, là pour le week-end de la Pentecôte, qu'est-ce que je me suis amusé de faire pendant les 3 jours là, samedi, dimanche et lundi là. Bah, c'est avancé sur mon projet, ça y est, j'ai reçu des composants électroniques samedi. Hein. Ah quel bonheur, ça y est, les composants électroniques sont arrivés. Hein. Donc tout mon bordel, mes diodes, mes résistances, tout ça c'est arrivé, je suis heureux, je suis aux anges. Tout ça c'est arrivé samedi. Ah. Coulis, Chronopost, merci. Merci à la Poste, au moins elle a des gens qui travaillent le samedi. Bien. Bon, bah là j'ai pu m'amuser à monter mes composants électroniques, tout ça. Là actuellement c'est en stade proto, hein, donc c'est monté sur une breadboard ici, là, avec tous mes composants électroniques, hein, mes résistances, mes diodes et tout mon zinzouin, comme on dit. Bon, là. Mon système a été revu et corrigé hein, parce que la version 1 que notre ami Simon de chez Simonex a copié royalement. Hein, je lui ai donné les points, je lui ai donné la solution et l'étude complète. On avait fait aussi les mises au point de son système. Et lui, ça y est, il a lancé sa production, mais il me dit je comprends pas, j'ai mes résistances qui chauffent. Eh ouais, ça chauffe. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes d'intensité. Et là, moi, sur ma version, là, le 1.2, maintenant, je peux dire, j'ai remédié un petit peu à tout ça. J'ai repris mes notes de calcul, hein, de A à Z. Voilà. Et effectivement, j'avais aussi des problèmes de chauffe et que maintenant, j'ai réussi à les résoudre. Parce que je me suis creusé un peu plus les ménages, hein, et ça n'a pas été évident. Bon, actuellement, si vous entendez un petit bruit, c'est normal, hein. Et ici, ça sera mon dissipateur thermique pour tout ce qui est, vous savez, notre transistor d'Arlington qui sera mis dessus en dissipation thermique. Donc il faut un refroidissement. C'est un petit ventilateur que moi j'ai récupéré parce que j'ai des ventilos, vous savez, sur des anciens processeurs. Hein, parce que je faisais pas mal d'informatique à l'époque. J'étais assembleur informatique et je montais des ordi, tout ça. Hein. Donc du matos, j'en ai, des dissipateurs thermiques, j'en ai. Hein. Donc pour moi, ça me coûte pas cher. Hein. Un dissipateur thermique pour un processeur, un CPU, hein, fera très bien l'affaire. Pourquoi? Parce que déjà, là, la plaque métal en aluminium, donc qui fait office de radiateur, plus un ventilateur qui va refroidir le système. Bon, bon là, j'ai un gros modèle, hein, il fait un peu mousse. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça refroidisse tout le système. Et bizarrement, moi, quand j'ai monté mon système là, bah, ça ne chauffe pas. J'ai mon bloc d'alimentation de labo hein, que je vous avais présenté à l'époque, hein, qui me débite quand même plus de 12 volts à 2 ampères. Et c'est vrai que sur mes premiers protos, ça chauffait. Mes résistances chauffaient. Tandis que là, maintenant, j'ai revu. Nouvelle valeur de résistance, ça chauffe plus. Et le problème aussi que j'avais, c'est un courant inductif qui revenait. Ah ouais, il faut savoir qu'une bobine fournit aussi du courant. Bon. Ça aussi. Et ça a été résolu. Là, actuellement, j'ai aucune prise de masse. Vous savez très bien que sur une moto, il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de liaison à la terre directe. On est isolé de la terre par les roues en caoutchouc. Bah là, c'est pareil. Notre TCI, elle doit fonctionner sans avoir des retours de courant inductif en retour. Donc, on sait très bien que les valeurs positives et négatives, hein, les deltas, hein, peuvent être supérieures aux valeurs des résistances. Donc, et aux transistors. Et ça, les transistors, ils n'aiment pas ça. Hein. S'ils sont prévus pour tourner à 5 volts, vous leur foutez pas 12 plus 12, 24 volts dans les dents. Sinon, ils vont claquer. Ben, tout ça, c'était vu, revu et corrigé. Là, j'ai mon petit plan. Hein, c'est mon brouillon. Ah, donc,
Le système est plus ou moins à 70% pareil, mais avec des améliorations sur des hauteurs de sécurité pour les composants. Voilà. Ben, le système fonctionne, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. On a toujours notre fameux transistor Darlington, vous savez, notre BU931 hein, qui vient d'Angleterre. Hein, tu vois, c'est Manchester, hein, si vous vous en souvenez. Hein. Et tout le reste a été commandé en France, hein, donc faisons aussi marcher un peu l'économie française. Malgré que je sais, c'est des composants made in China. Bon, bah, pas ça, tout va bien. Et là, c'était vu et revu. Bon, le principe, c'est simple. Hein. Vous savez que ici, bon, j'ai un feu à LED, hein, donc qui va nous matérialiser simplement et purement notre bobine d'allumage. Hein. Ici, là. Et ici, ce petit micro-switch qui est dans mes mains, c'est la révélation. Eh oui, vous savez bien que notre système marche très bien sur des systèmes avec des capteurs ou avec des routeurs. Voilà. Tout simplement. Et là, actuellement, hein, donc, comme c'est monté avec le switch qui fait office du routeur, et vous voyez bien, quand j'appuie dessus, j'ai ma lampe ici qui s'allume ou qui s'éteint. Voilà. C'est con, hein, on peut faire du morse. Ouais, bon, bah, soit, ça fonctionne. Et là, je vois très bien, et là, je vais vous montrer que je tiens mon composant, mon transistor d'Arlington dans les mains. Et je me boule pas. Waouh. Et aussi sur ma breadboard ici, là. Et une breadboard, c'est pour faire une maquette de montage en volant des composants. Et là, je mets ma main sur mes résistances. Ça ne chauffe pas. Et j'ai rajouté aussi un régulateur de tension. Et lui, il ne chauffe pas. J'ai rajouté aussi de la diode de Zener pour limiter les tensions. Qui est ici. C'est elle qui régule la tension dans mon circuit. Hein. Ça ne chauffe pas. Il faut savoir que le circuit tourne à 12 volts. Et il est amené à tourner à beaucoup plus haut. Là, actuellement, sur mon alimentation stabilisée, j'ai une valeur de 17 volts à vide. Par contre, j'ai réussi à créer avec un condensateur de maintien de temps à l'intérieur pour faire une tension continue constante supérieure à 12 volts. C'est pour éviter d'avoir, vous savez, des variantes de tension. Qu'on retombe bêtement à 1 volt et après on remonte à 20 volts. Donc il faut réguler la tension. C'est le principe du condensateur de maintien de charge. Là, il faut connaître un peu l'électronique et l'électrotechnique et savoir qu'est-ce que c'est les circuits RLC. Voilà, tout simplement. Bah là, j'ai une régulation de tension qui est quand même à 22 volts constante. Et tu vas me dire, 22 volts, c'est supérieur pour tes transistors. Exact. Mais au moins, j'ai mis un régulateur de tension à l'intérieur et des valeurs de résistance adéquate pour limiter mes tensions. Et le problème que je cherchais ici, sur le routeur, sur le contact, c'était avoir une tension minimum avec une intensité le minimum. Là, actuellement, je rejette 10 milliampères pour une tension de 2 volts. C'est pas mal quand même. Sachant que notre alimentation nous débite plus de 12 volts. Et tout le monde va me dire, mais est-ce que tu as testé ton système à des tensions supérieures à 12 volts? Oui, mes amis, je l'ai testé à 24 volts. Et à 24 volts, c'est toujours viable et ça fonctionne toujours. Sans faire péter mes composants. Et sans les faire chauffer. Bizarre, ça ne chauffe pas. Lui qui supporte, vous savez, notre transistor d'Arlington, c'est comme un contacteur hein, de puissance. Hein. Bah, il ne chauffe pas. Il est froid. Regardez, j'ai les mains dessus, il ne chauffe pas. C'est comme le petit régulateur de maintien de tension à l'intérieur que j'ai rajouté ici. C'est un 7812. Il ne chauffe pas. C'est dingue. Et toutes les résistances également. Et vous savez que c'est monté les transistors
avec un émetteur coma en fin de compte. Hein. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je ne vous ferai pas de cours dessus. Allez voir ça chez les autres. Et il faut savoir que sur mon système d'émetteur coma, et j'ai remplacé un transistor, hein, le transistor 2N 2219 par un 2N 2222A. C'est lui. Au lieu qu'il soit en boîtier TO, là, il est en TO 92. Et ce composant-là, je vais vous dire, ça coûte pas cher. Parce que dans mon système, comparé à la première version, là, dans ce système, j'ai voulu optimiser le prix au maximum des composants électroniques. Sachant que lui, il coûte quand même excessivement cher. Hein. Il faut compter 9 euros. C'est lui qui détient le record du système. Bah là, sur mes composants, avec mes diodes à 10 centimes, plus mon nouveau transistor, au lieu d'être à 3, mon 2N et 10 boîtes, au lieu d'être dans les 3 euros, j'ai réussi à l'optimiser pour qu'il soit à 28 euros. Hein, c'est son prix de composant. Voilà. Et des petites diodes qui coûtent 10 centimes, il y en a 4, hein, 40 centimes. Plus un régulateur de tension qui coûte pas plus de 1 euro. Là, j'optimise au maximum le prix de revient. Parce que mon système-là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire qu'il m'est revenu à plus ou moins 11 euros. Voilà. 11 euros de composants électroniques. C'est déjà pas mal, hein. Sachant que c'est un système qui est 1 000 fois plus viable qu'un CDI que vous achetez à 15 euros, made in China. Le truc qui va vous péter et le truc qui vous bride aussi. Tandis que là, notre système, il est débridé. Lui, il peut voir le jour à plus de 8 000 tours. Là, il va falloir que je te fasse sur un banc d'essai, celui-ci. Et là, je pense qu'on va facilement atteindre plus de 20 000 tours dans les dents. Il pourra les prendre sans qu'il claque, sans qu'il chauffe. Avec des tensions variantes. Le système, bon, comme je vous ai dit, il peut fonctionner à du 24 volts, mais je pense qu'il peut monter par simulation, hein, par logiciel de simulation. J'ai fait aussi des tests à 230 volts, voire 250 volts, et le système était toujours viable. Wow. Ça peut arquer quand même de l'intensité et du courant. Voilà. Le principe, je voulais vous le faire voir parce que là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé sur mon projet et ça me faisait un peu chier. Et là, je suis dans les bons agencements. Là, vous voyez bien le truc qui tourne. Le petit ventilateur en cas où que je mettrai mes composants derrière sur la plaque de refroidissement de dissipation thermique. Hein, voilà. Et ça marchera très bien. Et j'ai hâte de le faire tourner. Allez mes amis, sur ce, on se fait un peu de morse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao bello.